Bonjour à tous et bienvenue dans Le Petit Lavis du Cargo Hauling. Depuis la 3.24, nous avons eu droit à une mise à jour majeure au niveau des hangars. Et donc, avec ces hangars s'accompagnent également les missions de hauling. Et c'est exactement ça qu'on va regarder maintenant, tout de suite. Je vais vous expliquer comment faire de A à Z. Et pour cette activité, il va vous falloir une combinaison, un casque et puis un multi-tool avec un tractor beam. Donc le multi-tool avec le tractor beam, avec le tractor beam attachment, vous pouvez le trouver donc en station en passant par le cargo center. Donc vous cherchez les ascenseurs ici. On va aller au cargo center, je vais vous montrer où aller. Hop, on va au cargo center. Vous allez avoir un magasin. Dans ce magasin, vous allez avoir des étagères où vous pouvez acheter le multi-tool. Et puis, donc là, par exemple, vous pouvez l'acheter directement ici. Et puis, pour le TrueHaul Tractor Beam, vous êtes obligé de passer par le terminal. Vous allez ici, hop, vous mettez Personal Weapons. Et puis, vous allez le trouver ici en TrueHaul Tractor Beam Attachment. Vous pouvez en acheter. Moi, je l'ai déjà sur moi. N'oubliez pas que quand vous achetez votre matériel, maintenant vous êtes obligé de passer par le storage access pour vous en équiper. Il n'y a plus l'inventaire local partout dans les stations ou dans les avant-postes ou les villes. Donc vous êtes obligé de passer par le storage access ici. Donc je vous inviterai vous-même d'y aller, de vous en équiper et puis on va commencer. Donc on va aller, on va se diriger vers les hangars. Voilà. Et puis, on va sortir un vaisseau cargo. Alors, bien entendu, hein, donc vous allez avoir besoin d'un vaisseau cargo pour faire du cargo hauling, évidemment. Donc, si vous avez un chasseur, ça ne va pas être possible. Hein. Il vous faut vraiment quelque chose où vous pouvez transporter des caisses de SCU, pas des petits paquets, mais plutôt vraiment des caisses de SCU. Et pour ça, eh bien... typiquement, les starters, ça va pas être suffisant. Hein. Il va vous falloir. Alors, ça va être possible avec un petit Drake Cutter, par exemple. Vous allez pouvoir faire ça, mais ça va pas être possible en fait avec avec typiquement un Aurora ou alors un Mustang. Ça va être compliqué. Alors, je vais aller dans le hangar. Alors là, je suis à Balgini Point. On va aller dans mon hangar, si l'ascenseur veut bien. Et puis on va faire sortir un vaisseau de cargo. Alors ici on peut pas on va faire comme ça. Hop. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. On va sortir. Je vais sortir le Hull, comme ça, le Hull 1, comme ça vous verrez bien un petit peu visuellement en fait, comment c'est. Voilà, comme ça. Ok, alors nous voilà. Déjà, on a le vaisseau qui est en train de monter. Voilà, par les nouveaux ascenseurs. Ok, donc vous avez du coup les hangars comme ça. Et puis, vous allez avoir cet ascenseur de fret ici, à côté. Alors, selon la taille des hangars, vous pouvez en avoir un ou deux, selon... Mais pour les petits, vous n'en avez qu'un. Et donc, on va pouvoir avoir accès ici à l'inventaire local pour l'ascenseur de fret, pour pouvoir faire monter du matériel. Et puis, ensuite de ça, pour les charger, en fin de compte, dans les vaisseaux. Mais pour ça, on va donc ouvrir la MobiGlass avec F1. On va aller dans les contrats parce qu'on veut faire du hauling. Et pour ça... on va aller dans les offres et vous allez avoir une nouvelle catégorie qui s'appelle hauling.
Si c'est la première fois que vous en faites, eh bien, vous allez avoir qu'une seule et unique mission, c'est votre certification en fait de hauling en fait, tout simplement. Donc je vous invite de la faire, et puis ensuite de ça, vous verrez que vous allez avoir plein de missions qui vont s'ajouter en fait, et puis vous allez en avoir une vingtaine, une trentaine en fait qui vont s'ajouter petit à petit. Vous allez remarquer que vous allez avoir également une réputation qui est liée à cette activité, donc c'est la réputation Kovalex. Vous allez avoir Hauling qui s'ajoute ici, et plus vous allez monter en réputation, plus vous allez avoir de missions qui vont vous proposer des grosses quantités de matières premières à faire transporter, avec également une meilleure récompense, évidemment. Alors, on va retourner dans les contrats et puis on va en prendre une. Donc, si c'est la certification, faites-la, hein, je veux dire, tout simplement. Hein, je veux dire, prenez-la et puis... Donc, on va faire là. On va prendre celle-là. Ça nous demande donc de collecter du carbone à Baijini Point et de les livrer, de livrer donc 6 SCU à Riker Memorial Spaceport. Donc, c'est à Area 18, là, on a... Donc il faut, on va l'accepter, et voilà ce qui va se passer. Vous allez avoir, ok, on a la mission qui s'ajoute, et là donc on nous dit que il faut aller chercher donc les 6 SCU de carbone à l'intérieur de l'ascenseur de fret, et c'est là, vous voyez, là on a en fait Rookie Rank Direct Planetary Extra Small Cargo Haul, et on a les 6 SCU de carbone qui sont apparus ici. Vous allez voir, vous avez un petit onglet ici, en fait, mission. Alors, je vais juste... Si vous commencez, en fait, généralement, vous allez avoir du coup votre ascenseur de fret qui se présente comme ça. Il se présente ouvert. Comme ça. Alors, c'est pas très très intuitif, j'avoue. Mais voilà, il se présente comme ça, et vous n'avez pas accès en fait au warehouse, donc au local de l'endroit où vous êtes. Et pour y avoir accès, il faut descendre l'ascenseur. Vous descendez l'ascenseur, et puis vous allez avoir accès du coup au transfert du local vers l'ascenseur. Donc pour les objets de mission, vous allez les avoir en fait dans ce petit onglet là en fait, mission. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir un petit tri en fait qui se fait, et donc vous avez les caisses là, les 6 SCU là, x6 de carbone qui sont là. Vous cliquez dessus, ça vous permet donc de le sélectionner, et puis de le faire bouger, move to elevator, de le faire bouger à l'intérieur là-bas. Petite astuce, si vous avez plusieurs... On va faire un petit exemple. Si vous avez plusieurs items à faire transférer de l'autre côté, vous pouvez sélectionner un par un. Ok. Alors, vous faire. Alors, select all, unselect all. Ce sera très bien. Ok. Donc vous pouvez toujours en mettre petit à petit, rajouter des choses si vous le souhaitez. Si vous avez des caisses en fait comme ça, vous pouvez les, en double-cliquant dessus, vous pouvez les ouvrir. Vous voyez là, je suis en store and SCU stealth storage, et puis les refermer. Si vous en mettez hop à l'intérieur là, vous pouvez ouvrir par exemple, mettre ça dedans, hop, et puis du coup là en fermant, vous allez avoir les 3 attachment tractor beam en fait dans la caisse qu'il y a ici. Vous voyez là, hop, je vais la sortir. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez faire ça. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ok, donc on a nos 6 carbone ici, et puis on va monter ça en haut afin de pouvoir récupérer le cargo. Vous allez voir, ça va apparaître ici.
Voilà, on a nos 6 SCU de carbone qui sont là. Et il va falloir donc les transporter à Area 18, donc à Riker Memorial Spaceport. Donc pour ça, je vais monter dans le vaisseau, je vais ouvrir le hull A afin qu'on puisse mettre les caisses, les containers sur les panneaux. Les panneaux, c'est Alt gauche plus K, si jamais. C'est la même chose hein, pour le reliant, par exemple. Si vous voulez faire tourner le... Si vous voulez faire tourner les ailes ou alors le corsaire, c'est pareil, c'est la même chose. Hein. C'est Alt K pour faire pour déployer les ailes, déployer en fait les panneaux. C'est pareil, la même chose. Hein. Ok, voilà, on va prendre notre multitool et puis on va aller chercher. Les caisses et puis les mettre sur les panneaux tout simplement. Hop. Voilà, donc on va faire tout simplement le chargement des caisses hein. c'est pas très compliqué, c'est accessible à tous hein. À n'importe qui, c'est tranquille comme activité, du moment que, bien entendu, vous avez un cargo, hein, c'est absolument nécessaire. Alors, pour le moment, il n'y a pas besoin d'équilibrer le cargo à droite ou à gauche. On n'a pas encore un petit peu cette fonctionnalité où s'il y a un peu trop de poids à droite ou à gauche, c'est différent. Ça viendra peut-être, sûrement. Ça viendra plus tard. On ne sait pas quand, on verra. En tout cas, ce sera intéressant quand ce sera le cas. Mais voilà, pour le moment, mettez où vous voulez. C'est très bien. Voilà, nous avons nos 6 SCU de carbone qui ont été chargés sur le panneau du hull. On va pouvoir monter, décoller et on va aller à Area 18. Donc bien entendu, c'est une activité ultra tranquille parce que vous êtes très protégé et puis tout ça, du moment qu'on ne vous demande pas d'envoyer du coup votre livraison à des endroits un peu plus ouverts comme des avant-postes et puis tout ça. En tout cas, s'il y a des pirates qui vous volent votre cargaison, votre cargo, eh bien ils pourront rien en faire parce que c'est considéré en fait comme du cargo de mission, donc ils pourront pas le vendre, ils pourront vraiment rien en faire du tout. Donc si vous avez des joueurs en fait qui viennent vous piquer votre cargo, eh bien vous ennuyez, bah déjà ils vont prendre de la crimstat, des amandes, des trucs comme ça. Et en plus de ça, ça va leur servir à rien du tout. Donc c'est juste toxique si quelqu'un vient vous piquer un petit peu votre matériel hein, comme ça. Clairement. Je veux dire, c'est vraiment juste pitoyable. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt pour un pirate de vous prendre votre cargo parce que c'est considéré comme du cargo de mission. On va faire un petit saut ici, hop. Voilà. Bien entendu, avec le cargo hauling,
Avec cette nouvelle activité, il va y avoir des vaisseaux qui vont devenir un peu plus intéressants. Donc tous les vaisseaux qui ont des tractor beams intégrés, comme le Spirit C1 de Crusader Industries, le Nomad de Consolidated Outland ou le Taurus de RSI, ça commence à devenir des vaisseaux un peu plus intéressants parce que vous n'avez plus besoin d'un multitool, de sortir en fait avec le multitool et puis d'aller le mettre pour charger en fait le cargaison. Vous pouvez le faire avec votre tractor beam intégré et ça, c'est vraiment cool. Donc bien entendu, on va avoir un nouveau petit véhicule qui s'appelle l'ATLS. C'est un sorte de méca en fait. Dans lequel vous pouvez rentrer et puis qui a une sorte de tractor beam et puis qui vous permettra de charger du coup vos caisses à l'intérieur de vos vaisseaux. Alors que vous verrez, c'est un système un peu différent et puis tout ça. Mais voilà, la TLS pourra être une sorte de méca en fait qui pourra vous aider à charger les caisses à l'intérieur à l'intérieur de vos vaisseaux. Ça sortira en 3.24.1 et si vous regardez cette vidéo en 3.24.1, et bien voilà, si vous en avez un, et bien ça vous permettra de charger plus facilement vos vaisseaux cargo pour faire ces missions. Alors, on a fait la demande de Voilà, on a fait la demande de hangar. Hop. Gentiment, attention. Donc faites attention au niveau de la réputation. Donc vous allez gagner de la réputation en faisant ces missions. Ne les abandonnez pas parce que en tout cas pour le moment, quand vous abandonnez ou bien que vous avez un échec pour la mission, ça va vous enlever énormément de réputation. Et donc ça, c'est un petit peu problématique. Donc faites très attention de bien faire, hein, de bien terminer vos missions. C'est important parce qu'autrement, vous allez perdre énormément de réputation pour continuer à en faire. Hein. Donc faites très très attention. Vraiment. C'est important. On va se mettre un peu plus avant. Vous voyez, c'est un hangar large. Et vous allez voir, on a un ascenseur de fret ici et un ascenseur de fret ici. Donc là, je vais mettre un peu sur le côté, comme ça, pour mieux décharger. Voilà. Comme ça. Très bien. Hop, on éteint tout. Et puis, on nous demande tout simplement donc de livrer ces 6 SCU de carbone dans l'ascenseur de fret. Tout simplement. Aussi bête que ça. Voilà. Hop. Comme ça. Et c'est parfait. On va pouvoir décharger. Alors, avant de décharger, on va ouvrir l'ascenseur là. Donc bien entendu, vous allez faire votre certification et puis vous allez avoir plein de missions comme vous avez pu voir. Même moi là, j'ai certaines quantités de missions, mais vous allez voir, plus vous montez en réputation et plus vous en allez avoir jusqu'à plus de 100, vous verrez, selon la réputation que vous avez. Donc vous allez vraiment avoir un très 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 large choix de missions. Et il peut être intéressant selon la taille de votre cargo de prendre plusieurs missions qui vous demandent de transporter des matières premières d'un endroit à un autre. Donc si vous avez par exemple, genre là on a fait Baijini Area 18, mais il y a potentiellement d'autres missions qui vous demandent de faire la même chose. Donc voyez là, typiquement, Rookie Rank, Direct Planetary Extra Small Cargo Haul, Collect Aluminium from Baijini Point, Deliver, 7 SCU
to Riker Memorial Spaceport. J'aurais pu prendre celle-là aussi. On aurait pu charger 7 SCU d'aluminium en plus. Et du coup, on aurait rempli deux missions en même temps. Et oui, donc vous pouvez cumuler les missions afin de pouvoir faire plusieurs missions en même temps qui vous demandent de transporter plusieurs matières premières différentes au même endroit. Alors bien entendu, vous pouvez enchaîner, hein. Je veux dire, vous prenez les missions qui vous amènent de tel endroit à tel endroit, et ensuite de ça, quand vous avez livré à cet endroit, vous pouvez prendre des missions qui vous demandent d'emporter la matière première de là où vous êtes arrivé pour la ramener ailleurs. Je veux dire, vous pouvez faire des enchaînements de missions de cette manière-là, et comme ça, vous enchaînez les contrats, en fait, tout simplement, et puis vous allez faire un petit peu le transporteur de l'espace, le bus, dans tous les sens, quoi. Dans tout le système. Voilà, vous pouvez accumuler, vous pouvez vraiment, n'hésitez pas à prendre plusieurs contrats en même temps, du moment que vous avez la capacité avec votre cargo, hein. Donc sachez que vraiment, ça va monter très vite. Avec la réputation que vous avez, à un moment donné, on va vous demander de transporter 1400 SCU d'un endroit à un autre. Donc potentiellement, il va vous falloir plusieurs trajets selon le cargo que vous avez. Donc voilà, on a mis les 6 SCU de carbone dans l'ascenseur de fret. Et puis, on fait descendre l'ascenseur, tout simplement. Lower elevator. Vous allez avoir une transaction confirmation pour confirmer votre mission. Et puis, confirmer. Transferring to warehouse. Et la mission va nous être... Voilà, c'est accompli. On a terminé la mission. Voilà comment ça se passe pour... faire l'émission de cargo hauling. J'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas donc à mettre un j'aime sur la vidéo, et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitch, sur Bim, à rejoindre mon Discord, et moi je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Oh les gars, c'est pour les ballots et les renégats. Protectorat comme Omega. Dans toute la galaxie, on est là.